Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI1. À la une de l'actualité, la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Tonkpi. Revenons sur cette journée d'hier, première étape, le meeting de Zhuangyan. Il a essentiellement été question de développement et de cohésion sociale. Reportage, Jérôme Kofi Abola. Vendredi 3 mai 2013, nous sommes à Zhuangyan. C'est par cette localité que le président de la République, Alassane Ouattara, entame la troisième journée de sa visite d'État dans le Tonkpi. Il est 11h30 quand le chef de l'État arrive sur la place réservée à la cérémonie, pour ne pas dire le meeting marquant son passage à Zhuangyan. Comme dans les autres villes de la région déjà visitées, c'est une foule nombreuse, compacte, composite. Une foule heureuse, faite de jeunes, d'adultes, des cadres administratifs et traditionnels qui attend le chef de l'État. Les populations de Zhuangyan, désireuses de voir le président Alassane Ouattara, désireuses aussi de l'entendre, d'écouter son message porteur d'espoir. Mais avant tout, comme le veut la tradition, ce sont ces populations, à travers leurs représentants, qui vont ouvrir le chapitre d'allocution. Cela d'abord pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour sa présence, ensuite pour faire des suggestions, des propositions, voire des doléances. Ce dernier point pour être en phase avec l'adage qui dit que c'est la main qui demande, qui reçoit, pour faire ainsi allusion aux nombreuses attentes en pareilles circonstances. Après donc la traditionnelle bienvenue, des doléances comme bitumage de voirie, amélioration d'infrastructures de santé, scolaire, de l'administration, électrification des villes et villages, pour ne citer que ces préoccupations-là, égrenées et par le maire de Zhuangyan et par le député de la dite localité. Le président de la République, Alassane Ouattara, tout en prenant acte de ses doléances, se dit toujours déterminé à œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, non sans inciter à la cohésion, la paix, la réconciliation, toutes choses nécessaires pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et nous sommes venus pour voir si cela a bien commencé. Et je suis heureux de dire que cela a bien commencé. Mais ce n'est pas assez, parce que nous avons trouvé un pays totalement effondré, un pays qui était dans un bas-fond. Donc, quand vous êtes dans un fossé, pour en sortir, il vous faut une échelle. Maintenant, nous sommes sur terre, car nous avons surmonté ces épreuves. Nous sommes sortis des difficultés de la crise post-électorale et aussi de la mauvaise gestion des 10 précédentes années. Et maintenant, nous pouvons réaliser des choses pour la population. Et vous savez que nous avons réglé des problèmes d'eau à Mans, à Biankouma, et ici même, nous sommes en train de terminer le raccordement qui permettra de faire du manque d'eau à Biankouma un mauvais souvenir d'ici la fin du mois de juillet. Chers frères, chères sœurs, nous sommes sur la bonne voie et tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et nous sommes confiants et nous réussirons. Et nous réussirons parce que chacun de nous fera en sorte de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire en paix et en sécurité. Et je compte sur chacune et chacun de vous. Après des échanges d'allocutions, des échanges de dons, les populations de Zhuangyan vont en faire autant qu'ils vont en recevoir. Et de la part du président de la République, des équipements, notamment un tracteur, des camions, une ambulance pour l'hôpital général de Zhuangyan, ainsi que des véhicules pour le corps préfectoral. Des gestes dignes, des acclamations très nourries au président de la République, Alassane Ouattara, au moment où il décide de prendre congé de ses hôtes. Après Zhuangyan, le cortège présidentiel s'est dirigé vers Danané. Là aussi, les populations sont sorties nombreuses à accueillir le chef de l'État. Alassane Ouattara a écouté leurs doléances. Il les a rassurées qu'elles seraient bel et bien prises en compte. Le chef de l'État a même assuré qu'il en ferait plus encore pour le développement de leur localité. Awa Touré pour les temps forts de ce meeting. Dernier meeting de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkpi. C'est à Danané, au pied du mont Nemba.
et le chef de l'État est venu avec de grands projets de développement pour tout le district des montagnes. Le bitumage de la voie d'Annané frontière de la Guinée, le chemin de fer Mans-Saint-Pétro, l'ouverture prochaine des mines de fer et de nickel du mont Clayo et de Sipilou. La bonne nouvelle pour les jeunes, l'ouverture de l'Université de Mans en septembre 2014. Je vous avais dit que je prévoyais sur les 5 années d'investir 1055 milliards de francs CFA dans le district des montagnes. Alors je viens vous dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réaliser ces investissements. Oui, nous avions sélectionné une série de grands projets, le chemin de fer Mans-San Pedro. Les financements sont déjà obtenus. C'est plus d'1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire 750 milliards de francs CFA. Et la finalisation de la convention est en cours et il est certain que ces travaux commenceront dans quelques mois. Et je vous avais dit également que nous allions procéder à l'exploitation du minerai du mont Clayo. D'ailleurs, la société qui fait le chemin de fer envisage également de le faire en raison de l'exploitation du fer du mont Clayo et bien entendu d'aller au-delà pour le mont Gao. Et également, nous avions parlé des mines de nickel de Sipilou. Ces projets ensemble font littéralement 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Vous voyez que rien que ces 4 projets, nous sommes au-delà des 1000 milliards de francs CFA dont je vous avais parlé. Et ces projets seront exécutés dans les 3 années à venir. Le président de la République, Alassane Ouattara, apporte ainsi de l'espoir à cette région qui a souffert des crises à répétition. Une région qui refuse de s'arrêter aux méfaits de ces crises. Les peuples d'An et Malinké de Danané ont donc su sécher leurs larmes. Oui, monsieur le président de la République, nous refusons de nous arrêter aux méfaits de la crise, fussent-ils douloureux et atroces. Nous refusons de continuer à pleurer sur notre sort. Nous avons décidé de nous détourner de tout ce recensement et de toute récrimination pour nous engager résolument dans la voie du pardon et de la réconciliation, comme vous nous l'enseignez au quotidien, monsieur le président de la République. Nous savons par-dessus tout que c'est par la capacité à remonter les crises et à y remédier que se mesure aussi la grandeur d'un peuple. Pour cela, monsieur le président de la République, nous croyons à la vertu républicaine. Et nous adhérons pleinement à la politique de réconciliation que vous avez bien voulu initier pour tous les filles et fils de ce pays. Pour cette visite d'État dans la région du Tonkpi, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert 24 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral, 13 camions de ramassage des ordures ménagères. Il faut signaler que toutes les communes de Côte d'Ivoire ont reçu ce même matériel de salubrité. Coût total de l'opération, 5 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la santé, le président de la République a annoncé le renouvellement du plateau technique des centres hospitaliers régionaux, CHR, de Côte d'Ivoire. Un autre moment important de cette visite dans l'ouest du pays, il s'agit de l'ouverture d'un centre de protection de la petite enfance. La première dame a procédé à son inauguration pour le plus grand bonheur des bénéficiaires, Viviane Aïma. Il y avait beaucoup de joie et de reconnaissance dans les cœurs de ces femmes. Elles l'ont exprimé à travers leur chant à la première dame Dominique Ouattara, venue inaugurer le centre de protection de la petite enfance de Zouaounia. Ce jardin d'enfants public vient d'être entièrement réhabilité et équipé en matériel de travail et en jouets par la présidente fondatrice de Children of Africa. À son arrivée, la première dame a dévoilé la pancarte du centre, désormais baptisé Centre de protection de la petite enfance Dominique Ouattara de Zouaounia. Puis, elle a visité les installations. Dans les classes, les petits écoliers l'ont remercié à travers des chants.
C'est avec un plaisir évident que la présidente fondatrice de Children of Africa a constaté la joie des petits écoliers dans leur nouveau cadre éducatif et récréatif rénové. La première dame, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés les ministres Anne Ouloto et Kandia Camara, a remercié les responsables du centre de l'avoir baptisé de son nom. En plus d'avoir réhabilité et équipé ce jardin d'enfants publics, la première dame a aussi fait don de 1 million de francs pour son fonctionnement et offert 1 million de francs pour le personnel d'encadrement et 500 000 francs aux mamans présentes. Les femmes de Zonounien, à leur tour, ont signifié leur reconnaissance à leur bienfaitrice par plusieurs dons, notamment un tableau, des pagnes, du riz de récolte et de l'huile de palme. Voilà, nous sommes au quatrième jour de cette visite d'État dans le Tonkpi. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de la journée sur RTI1. Hier, vendredi, marquait la 20e journée mondiale de la liberté de la presse. C'est aujourd'hui que la presse locale va célébrer l'événement. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a prévu une grande procession dans les rues du plateau. Quant au président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakpé, il se réjouit de la qualité de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Direction Boaké, les ex-combattants démobilisés se sont engagés à privilégier le dialogue plutôt que la violence pour l'aboutissement de leurs revendications. Ils font amende honorable pour tous les désagréments causés par les mouvements de colère précédents, Ouattara Amadou et Kwadio Kwame. Suite au dernier mouvement mené par un groupe de démobiliser, dénommé les frustrés, l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire, ADCI, a tenu une conférence de presse à son siège situé non loin de la Chambre de commerce et d'industrie de Boaké. Cette conférence a permis au président national de l'ADCI de regretter publiquement les désagréments causés par ses agissements. Nous demandons pardon au président de la République. Le président de la République a permis que pour notre réinsertion, des ex-combattants intègrent la fonction publique. L'ADCI réaffirme son engagement à soutenir l'ADDR dans toutes ses actions. Dirasouba Ibrahim a lancé un vibrant appel à l'endroit des ex-combattants d'éviter de s'illustrer par la violence. À tous les ex-combattants, nous vous demandons de montrer une bonne image de nous-mêmes afin de faciliter notre réintégration socio-économique. Faisons confiance au président de la République et à la structure qu'il a mise en place. Ce fut l'occasion pour l'orateur de souhaiter l'implication des autorités afin de retrouver leur ami Youssouf Kone, dont ils sont sans nouvelles. Au moment des faits, les responsables de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR étaient en route pour Boaké avec des opportunités de réinsertion socio-économique pour environ 400 ex-combattants. L'actualité hors de nos frontières nous conduira en Afrique du Sud, mais avant, en Guinée, une nouvelle manifestation de l'opposition tourne à la violence. Une vingtaine de blessés et un policier décédé suite à ces blessures. À l'origine de la manifestation, la réclamation de l'annulation du décret fixant la date des élections législatives au 30 juin prochain. Plusieurs blessés, dont au moins 5 membres des forces de l'ordre, c'est le bilan de la marche convoquée par l'opposition hier à Conakry. Un gendarme a même été poignardé et plusieurs véhicules blindés ont été endommagés, ce qui a provoqué la colère d'un officier contre ce féticheur, lui aussi visiblement mal en point. Tu viens d'où ? Vous mettez comme ça, ça t'a sauvé ? C'est mon travail. Et c'est ça t'a sauvé ? Pourtant, après on va dire qu'il y a des gens s'infiltrer. Maintenant tu es féticheur. Colonel, on voit un monsieur qui est ensanglanté. Lui, qu'est-ce que lui il est? C'est un portron, c'est des faux féticheurs. Posez-lui la question, c'est ce que je lui ai dit. Est-ce que ces fétiches l'ont sauvé? L'opposition manifestait contre le décret fixant la date des élections législatives au 30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Des informations en continu sur les www.rti.ci. Très bon samedi sur RTI 1.